Salut, c'est Seb. Alors voilà, après plus de 2 mois d'inactivité sur la chaîne, de toute façon j'avais prévenu dans un poste que j'allais revenir de façon peut-être très très irrégulière, ou alors que j'allais peut-être arrêter complètement la chaîne. Vous voyez, j'ai pas réussi. Donc après plus de 2 mois et quelques vidéos postées sur mon Facebook, je me suis dit allez, on va essayer de faire ça sans obligation, sans contrainte. Je vais faire juste un petit topo en fait de ce que j'avais dit dans le post, comme quoi j'avais évoqué les différentes raisons pour lesquelles j'avais mis en pause la chaîne YouTube, chose qui me bloquait, qui m'énervait. En fait, je m'étais filé un train de vidéos à sortir qui était plus ou moins entre 2 ou 3 par semaine, chose que je pouvais pas tenir entre ça, les entraînements et la tenue de la team. Donc voilà, là je vais vous refaire quelques vidéos, mais sans contrainte, ni de fréquence, ni de qualité. Puisque visiblement c'est pas forcément le travail qui donne une visibilité plus grande qu'ailleurs. Donc bon voilà. Alors je vous les ferai de façon, comme je le dis, irrégulière et avec la qualité qui sera le résultat en fait du temps que j'aurai passé, tout simplement. Bref, je reviens à une dernière chose par rapport au post que j'avais mis il y a de ça 2 mois, 2 mois et demi, sur lequel j'avais évoqué les raisons de mon arrêt plus ou moins de vidéo. Ça avait été tourné à la dérision par certains, donc bah, ceux-là je les emmerde, voilà, ça c'est dit. Au moins c'est clair, pas de langue de bois avec moi comme d'habitude. Et puis on passe à la suite, directement sans transition. Je vais vous faire un petit résumé de la course Open qui s'est passée lundi 2 septembre. Alors une superbe course en tout cas pour ma part, et je pense que les autres participants ont été satisfaits de cette course. On était 12, donc il y avait deux courses de 30 minutes, 12 sur la première, 10 sur la deuxième. Je vous fais un petit résumé, et puis ben, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse. Allez, salut! Allez, donc on se retrouve sur les grilles de départ de la première manche. Donc on est sur Zandvoort en DTM, sur S-Room bien évidemment, et il y a 2 manches, donc avec grille inversée. Donc c'est la première manche où je me suis qualifié 3 ou 4e, c'est le 3e d'après ce que je vois sur le replay. Donc ce que je vais vous mettre, je vais mettre le départ, je vous ferai un petit résumé vite fait. On va partir tout de suite en fait pour le premier départ où je me plante complètement, je vois pas les feux, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je reste collé bien 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 sur la grille de départ, comme vous pouvez le voir, et je me fais déborder de tous les côtés. Voilà, donc tant bien que mal, on voit que sur le départ je ne me suis pas trop mal sorti, il n'y a pas eu d'accrochage. Je viens d'esquiver Yo-Yo qui vient de se louper à la réaxel juste sur ce virage là, donc je me retrouve 5e derrière JC Spadon et devant Dagigus. On vient voir que JC est passé devant Kevin, il a fait une attaque sans trop de difficultés. Et là on se retrouve dans la partie en ce qui me concerne qui m'a été le plus délicate. C'est la partie de ce virage là que j'ai du mal à sortir. Alors, ça prédomine en plus la vitesse sur la ligne droite, donc je perdais pas mal de temps sur cette portion là. Je vais essayer de rester pas trop loin de Kevin pour rester sur le coup du DRS. Je rappelle 3 DRS par tour. Et je reste à l'affût, je suis pas trop loin de Kevin. Donc là on voit que je prends la décision de prendre mon DRS. Et comme il y en a 3, il n'y a pas beaucoup de possibilités de les utiliser sur Zandvoort. Donc malgré les virages, le DRS est vraiment à proscrire sur des courbes assez rapides. Donc je tente pour essayer de recoller à Kevin.
Allez, il me reste le DRS que je vais pouvoir placer juste ici à la sortie du virage. Voilà. Donc je suis peut-être encore dans la seconde pour Kevin pour rechoper les 3 DRS. Non, je ne l'aurai pas. Et derrière, Draghi a dû se louper parce qu'il a plus de 2 secondes. Donc lui non plus n'aura pas le DRS. Les 3 premiers, ça va être Valentin, David et JC. Suivi de Kevin, de moi-même, de Gérald et de Draghi. Et on trouve Bruno et Dams juste derrière. Ouais, voilà, donc déjà 10 minutes de course de passé, je me retrouve dans la ligne droite, je suis pas trop mal placé, j'ai toujours pas le DRS, Kevin est 2 secondes devant moi, donc c'est compliqué. Ah, et là on voit Kevin qui se loupe. Ah, il a dû toucher le vibreur, je pense. Il vient de taper violemment le mur, donc à mon avis pour lui ça va être compliqué. Donc ça met à la 4ème place. Derrière JC Spadon à 4 secondes et demie. Je suis pas trop loin non plus du premier et du deuxième. On voit David qui est passé premier. Allez, donc il reste un petit peu plus de 10 minutes de course, on a 12 minutes, et là quand je vois le drapeau jaune qui apparaît, je regarde un peu sur les chronos, et en fait c'est JC qui a dû se sortir, donc je reviens vraiment doucement sur lui, il est juste devant. Mon but c'est d'essayer de le rattraper pour pouvoir espérer avoir le DRS. On est à 2 minutes. En bas à droite que les pneus de devant en tout cas commencent à prendre cher. Alors la difficulté c'est de pas se mettre dehors non plus. Mais il y a une place sur le podium à prendre donc je vais tenter quand même. Allez, je suis pas trop mal là, je suis revenu à 1 seconde 5. Il a peut-être des dégâts en fait, je sais pas du tout donc c'est l'occasion de tenter.
flat side tires. That left front will be past its best soon. The gap in front is now 1.6. Moins 10 minutes, je suis à 1 seconde 3, 1 seconde 4. Vraiment à quoi jouer là, il doit se louper un tout petit peu au niveau du virage. Voilà, eh oui, l'erreur à ne pas faire, j'ai tenté, j'ai perdu. De toute façon, il était légèrement plus rapide que moi, donc ça n'a pas été payant. Heureusement, derrière, j'avais quand même une avance assez confortable, donc ça m'a permis quand même de rester en quatrième place. Et je vais pas vous cacher en fait que ça s'arrêtera là. Et je vais finir cette course, cette première manche, à la quatrième position. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième course. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la deuxième course, donc en grille inversée. Je me retrouve donc 7ème, je rappelle que nous étions 12 sur cette Open. Je prends toujours un départ un peu compliqué et je me retrouve très très vite 10ème. Il y a eu deux abandons sur cette deuxième manche, donc je laisse un peu passer, je laisse un peu voir ce qui se passe. Et là déjà j'ai failli me louper. Très sympa la DTM, mais sur ce circuit pas toujours simple, donc je viens de passer Dragigus à l'extérieur. Enchaînement ici qui est assez compliqué, il faut rester derrière, hein, très difficile à doubler. Sur le côté, donc ça doit être Gérald. Il a dû se louper aussi à l'accélération. Il n'y a pas de traction control sur sa voiture, donc on peut vite être pris à la faute. Je suis très bien placé pour prendre l'aspi sur Bruno. On va se décaler très très vite et assurer le coup en enchaînant avec le DRS. Ah, le freinage très tardif. Bruno qui reste à l'extérieur. On est côte à côte. Voilà, mais là il a lâché. À deux c'était un peu compliqué. 7ème, je continue avec le DRS, je prends un petit risque là-dessus, attraper le groupe juste devant et m'assurer encore une fois le DRS pour les prochains tours. Ah, et là il y a une sortie. Peut-être Valentin, donc je pense que c'est Dame ce qui est peut-être attendu, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça me place 5ème. Le petit DRS qui va bien.
Il va m'en rester un juste pour... Oh voilà, David qui se loupe. Vibor qui a dû le déséquilibrer. Et on se retrouve quatrième. Kevin, JC et Yo-Yo devant. J'ai grillé mes cartouches en termes de DRS, donc reste à moi de faire le boulot, d'essayer de revenir sur le trio de tête. Increased to 0.9. Stay close, wait for him to make a mistake. Allez, là je suis vraiment très très proche pour aborder la ligne droite. Je vais forcément avoir le DRS et ça va être l'occasion de se dédoubler et d'attaquer au freinage là-bas tout au bout. Allez, c'est parti.
Voilà, c'est passé. Pas forcément été évident et qui a assuré pas mal sa place. Bon, avec un œil dans le rétro, c'est pas toujours simple. Donc il reste derrière et je suis à peu près 4 secondes du deuxième. J'y sais. Allez, il reste 17 minutes de course, je me retrouve donc 3ème derrière Kevin. J'ai pas encore le DRS, hein. Je suis à la limite de la seconde pour pouvoir avoir ce DRS qui m'aurait bien aidé. Donc on va essayer de rester pas trop loin à distance. Les pneus sont encore en état donc pour pouvoir attaquer assez sereinement. Pas trop mal là, c'est une bonne partie pour moi. J'y sais qu'il est toujours là-bas devant à quasi 4 secondes. Allez, je suis encore sous la seconde, donc je pense que là ça va être bon. On va voir tout de suite en sortant là. Double droite. Kevin a repris un peu. Ouais, je pense que ça va le faire. Ah, il ressort mieux, attention. Ouais, c'est bon, j'ai le DRS. Voilà, j'enclenche tout de suite pour essayer de recoller. Et on voit que mon pneu avant gauche vient de passer dans le jaune. Alors qu'on est à peine à la mi-course. Donc ça promet. Il va falloir être un petit peu vigilant au fil des tours qui vont suivre. Ah, Kevin qui se décale, je sais pas trop pourquoi. Mais je suis à l'aspi. Se méfier vraiment au niveau du freinage. C'était chaud. Et derrière ça revient, Yo-Yo qui lâche pas. La moindre erreur ça permet de revenir et moi de perdre de l'avance sur lui. Alors, il me restait le DRS pour la ligne d'arrivée. Parce que là je pense que je l'aurai plus sur le prochain. Et je pense que Yo-Yo va l'avoir derrière donc bon, si j'étais avec mon DRS ça m'a permis de rattraper Kevin et de reprendre sous la seconde. Donc je suis reparti avec 3 DRS. Et derrière Yo-Yo l'a eu également donc ça va être difficile de s'échapper. Qui s'éloigne mais pas trop, pas plus que ça, il est entre 3 secondes 5 et 4 secondes. On l'a encore en visu donc c'est bon. Là, j'aurais pu tenter le DRS.
Il y a eu derrière qui a dû faire une erreur, il a relégué à plus d'une seconde maintenant. Voilà, là on est pas trop mal, on sent assez bien. Le DRS qui est pas très long, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut le cramer, hein, je pourrais plus l'utiliser après. Enchaînement ici assez compliqué, pas trop mort sur le vibreur, en tout cas c'est ma façon de le passer. Allez, je suis toujours assez prêt pour choper la spi. On va claquer le dernier, voilà, le dernier DRS du tour pour pouvoir attraper les trois suivants. Voilà, c'est chose faite. J'enclenche la troisième assez rapidement pour attraper du grip, la motricité et éviter de partir en toupie. Allez, la deuxième ici, se méfier à l'accélération, pas perdre le train. Et on voit que Kevin accélère un peu plus, un peu mieux. Je suis arrivé un peu vite là. Oh, Kevin qui se décale. Il a dû se louper aussi. Pas ce qui se passe. Je vais pouvoir là, vraiment l'attaquer, je pense. En sortant bien ici, ça devrait le faire. Il me reste 2 DRS, donc je vais utiliser là tout de suite en sortant. Il se met à droite pour éviter que je prenne la spi. Donc forcément, je le suis. Je vais me replacer à gauche. Attention au freinage parce que là, ça va être un peu compliqué. Une perte de son, c'est pas mais grave, ça va revenir. Voilà, allez, je prends la spi quand même et puis les DRS. Vraiment compliqué, hein. Il lâche rien. Ah, on voit que les pneus sont bien usés là, les deux dans le jaune. Oh là, il se loupe. Ouais. Oh là là. Ouf, ça c'était chaud. Ah, il s'est arrêté sur le bas-côté, je sais pas ce qu'il a. À mon avis, c'est l'abandon pour Kevin. Il a pas l'air de redémarrer. Et du coup, mais derrière, ça c'est revenu. Hein. Je crois que Yo-Yo, il va être à moins d'une seconde là. Il va pouvoir prendre le DRS peut-être. Moi, je le mets bien possible maintenant. Ça va être juste, attention. Ouais, je pense qu'il a loupé l'occasion. Allez, il nous reste 8 minutes 30 de course, on va attaquer la ligne droite et il y a David qui est juste derrière qui va profiter du DRS lui également. Et là ça va commencer à être compliqué. Alors, je vous rappelle David qui s'était planté en début de course. Vous voyez qu'il est déjà revenu.
Moi, je sais qu'il est plus rapide que moi, donc je vais essayer de défendre sans trop forcer. Allez, je la perds un petit peu. Hein. Trois pneus dans le jaune maintenant. Là, je prends bien l'intérieur hein, pour couvrir mon angle. Je ressors bien large. Ouais, je regarde les rétros forcément. Surtout ce virage là qui m'intéresse. Sortir au mieux. De toute façon, je sais qu'il est dans ses... il aura sa zone de DRS juste derrière, donc ça va être compliqué. Là, je pense qu'il est un peu loin. Là, on doit revenir. Là, il l'a enclenché. Moi, je vais protéger l'intérieur. Rester sur l'intérieur, comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Il y a peu de place pour dépasser hein, sur le circuit. On va voir si c'est une chance pour moi. Mais bon, rester 6 minutes comme ça, ça va être compliqué. C'est de défendre et de pas prendre de risques non plus, de pas partir à la faute parce que sinon derrière bah, le podium ça dégage. Hein. Kyoyo il est à quasi 3 secondes. Donc forcément si je me loupe, je suis éjecté du podium, ça serait vraiment dommage. Vaut mieux une troisième place qu'une quatrième, en tout cas à mon sens. Donc voilà David juste derrière. Le freinage je pense pas, il va tenter l'extérieur peut-être. Mais je vois pas comment il pourrait doubler là. Il essaye des trajectoires un peu différentes. Moi je me mets bien à gauche hein, pour essayer de prendre l'intérieur et ressortir au mieux. Même si je sais que c'est ma partie la moins performante du circuit. Là je suis en difficulté. Là, je reste à l'intérieur, je change pas trop de fil. Il prend même pas la spine, de toute façon il a le DRS, là il n'y a pas de souci pour lui. Il va essayer de ressortir un peu mieux, il freine beaucoup plus tard. Moi je regarde. Je garde l'intérieur, je garde ma ligne, de toute façon. Allez, il sort à droite. Je reste où je suis. Non, il force pas, de toute façon. Ça n'a pas non plus l'intérêt de se mettre au tas tous les deux. Ici, peut-être aussi que je vais me planter en ayant la pression comme ça. Ça fait moins de 5 minutes. Est-ce qu'il va trouver l'ouverture? Est-ce que je vais craquer? Allez, le plus avant gauche dans l'orange. Voilà, je me loupe un petit peu. Je ne profite pas pour l'instant. On va passer la deuxième et la troisième très très vite. Pour choper de la motricité, du grip. Là, ça va, il est un petit peu loin. Allez, il va me rester encore quoi, deux passages, trois passages sur la ligne des stands, ligne d'arrivée. Plus qu'à tenir. Encore une fois, il est à l'extérieur. Je garde ma trajectoire, je garde ma ligne. Et en même temps, je couvre l'angle, donc je reste bien à gauche. Hein. S'il veut tenter à droite, il peut essayer. Mais bon, comme le prochain est à droite, je pense qu'il n'a pas voulu tenter. Il est toujours là. Ça fait les affaires de JC Spadron devant, qui est parti à plus de 5 secondes maintenant. Alors je le bloque pas là, je prends vraiment mes trajectoires comme d'habitude. Juste au bout de la ligne droite, où je me serre à droite volontairement, c'est pas ma trage de d'habitude, mais comme je suis moins rapide, c'est ma façon de garder ma place. Je pense
Attends, il tente le freinage, il va aller à gauche, on vient de le voir passer. Et là je peux rien faire. C'est pas la peine que j'insiste. Vous voyez, je freine vraiment assez tôt. De toute façon je sais que j'ai perdu l'occasion. Donc ça fait déjà un moment que pas que je le bloque mais qu'il essaye. Et là il a pris l'extérieur, il était bien plus rapide. Certains auraient peut-être pu tenter le freinage, hein, le retarder au maximum. Mais avec les pneus que j'ai, je me sentais pas de garder ma place sans le percuter, donc bon, je préfère le laisser partir. Quitte à ce qu'il fasse une erreur, moi j'avais le DRS derrière, mais bon, ça va être compliqué, il est plus rapide. Il me reste une minute, à peu près 2 minutes, on sait jamais. Ça va être le dernier tour, je pense. Ça va, les deux pneus avant sont dans le orange. Je trouve quand même que ça grippe pas mal, hein. Il y a quand même pas mal d'adhérence. C'est certainement la voiture qui fait ça, mais ça va, le jeu est quand même assez permissif là-dessus. On voit que le carburant ça va être limite aussi, hein. J'ai certainement calculé au juste. Remontée de David par rapport à ce qu'il avait à l'événement qu'il y a eu en début de course. Il s'était sorti, il aurait certainement pu finir largement premier. Ça va se terminer doucement là, je vais terminer 3ème. C'est une belle course, franchement, c'est pour ça que j'ai voulu partager ce résumé. Essayer de vous transmettre un peu les sensations que j'ai eues en course. C'est pas évident de faire du commentary sur une course qui vient de se dérouler. Je sais pas si j'en referai, mais bon, au moins j'ai essayé de retranscrire tout ça. Voilà, donc au final, sur le cumulé des deux courses, je termine 3ème, je crois également. De toute façon, je vous mettrai, je pense, le tableau en fin de vidéo. Et puis, écoutez, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à une prochaine. On verra si je retente l'expérience, si je refais d'autres vidéos. Pour l'instant, je ne me mets pas la pression. On verra selon l'humeur et selon l'envie et le temps. Voilà, je vous laisse là-dessus. A plus.